Salut tout le monde. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour du coup pour le cast FR, donc du fait. Je suis avec toi Ridley, comment vas-tu? Salut, c'est moi Ridley, je suis super content d'être là. Je vais très bien. J'ai très bien dormi par rapport à hier. Ah, c'est bah la meilleure journée du fait. C'est parce qu'effectivement on sait que là on entame la partie la plus importante du week-end, c'est-à-dire le tournoi central. Et là on va commencer par avec les doubles, et là vous voyez on est déjà dedans, en plein dedans, puisqu'on est dans la phase de poule, et notamment on est en train de caster le match de Fekfek et de Kalas, notre duo français. Oui, et là on voit qu'ils font des choses hein. C'est assez serré. Ah là 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 là, ils viennent se prendre un misfire par contre. Ouais, je vais avoir le misfire passé, et là c'est le truc, ça, tu retiens ton souffle quoi à ce moment-là. On entre en plein dans l'action, mais exactement. Voilà quoi. Je pense qu'on pourra parler un peu de l'ambiance du tournoi en ce moment, mais bon. Voilà pour l'instant l'info sur ce match. Je sais que Kalas et Fekfek sont seed 4 de leur pool. Ah ouais, ok. Je crois qu'il y a 6 ou 7 personnes par pool, et c'est le top 3 qui passe donc. Ouais. Et là ils jouent contre leur seed 2. Donc, ok. C'est quand même un match important qui est un peu prenable, et je sais que si Kalas et Fekfek du coup réussissent à gagner ce match par exemple, il passe les poules, il passe en braquette. Ouais, c'est top. Mais il y a vraiment moyen qu'il puisse passer. Hein. Il y a pas de raison que Fekfek et Kalas puissent pas remporter ce match. Je pense qu'ils sont très sous-cotés. Ouais, bah en fait c'est con, mais c'est ce qu'on disait hier avec Sal, mais Fekfek et Kalas, en fait, on les connaît pas à l'international. Donc ouais. Bon, si bien sûr, on sait que ça discute entre Tio et autres pour évaluer le niveau des joueurs, pour pas qu'il y ait totalement une grosse erreur de seeding. Aïe aïe aïe, la Kalas, ça revient pas. C'est non, pas malheureusement, on va pas pouvoir sauver. Et là, mais bon, c'est pas grave, puisque on sait que ça peut tuer vite. Et alors, est-ce qu'on va pouvoir achever Mars? Mais non, ça revient. T'as carrément raison. Fekfek et Kalas, ils sont pas très connus. Fekfek, ça reste une joueuse plutôt nouvelle. Pareil, Kalas, il est, même en France, il est en train de monter, tu vois. Ouais, tout à fait. Et on n'a pas eu tant de majeurs internationaux en fait. Non, depuis qu'elle a commencé, Fekfek, effectivement, ils n'ont pas eu l'occasion de briller à l'international. Mais regardez, ils font un magnifique travail puisqu'ils gardent tous les deux le double edge guard magnifique. Ouais, ils ont une solide stock d'avance en vrai. Ouais, effectivement. En fait, là, c'est vraiment cette stock qui va être centrale. Il faut pas qu'ils la perdent, faut pas qu'ils se roulent. Mais là, ils font un excellent travail où ils essayent de zoner. Voilà. Bon, là, la situation, elle s'est inversée. Donc pour l'instant, voilà, Kalas y revient. On sécure. Ouais, là c'est la zone la plus dangereuse, je pense, des doubles. Quand ouais, vraiment, genre, Peach elle revient de super loin. C'est pour ça que c'est risqué un peu de jouer des floaties. Parce que dans ces situations, quand tu joues Peach, quand tu joues Samus, tu reviens de super loin et ça prend beaucoup de temps en fait. Ouais, et du coup, ton adversaire a le temps de te 2v1. Voilà. Mais bon, en même temps, là, ça va, ils sont dans un match assez even. Oh là là, non. Oh et non, là, tu non. Exactement oh là là là. Situation de 2v1. Mais le Luigi qui pop off. Aïe aïe aïe. Et là, faut faire gaffe, tu vois, genre, c'est ces situations où il faut. Là, si on était le Fox de Kalas, il faut tout faire pour rester en vie, parce que c'est beaucoup plus simple de jouer à 2v1, bien sûr. Mais bon, il a quand même gratté pas mal de pourcentage, fait que faut pas qu'elle commit. Mais bon, elle s'est bien zonée. Attention au misfire quand même. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Ah, ça c'est. Ah bon, super, okay. Elle sécurise, let's c'est go. Super. Mais quand même, premier moment assez serré, mine de rien. Bah, ces joueurs ne se connaissent pas du tout. Je parlais à Fekfek et Kalas. Fekfek et Kalas. Fekfek et Kalas. Fekfek et Kalas. J'ai parlé à Fekfek et Kalas juste avant, qui ne connaissaient pas du tout leur adversaire. Moi, je ne les connaissais pas non plus. C'est cool en vrai. Les autres connaissent pas les joueurs Fekfek et Kalas, mais bon, au final, moi je connaissais pas ces joueurs non plus. Non, donc non, de toute façon, c'est aussi. De toute façon, on sait très bien que là, c'est le premier major depuis la reprise des tournois off. Donc en fait, on a plein de joueurs, on a plein de Sleepy Kids qui sont sortis, qui ont monté d'un coup. Donc évidemment, là, ça va être un peu un major où on peut avoir de belles surprises. Et là, on repart tout de suite pour le second match. Effectivement, où je pense que ça y est, ils ont commencé à appréhender le personnage de l'autre. Yoshi, ça a du sens, je pense. Ouais. Quoique, non, je vais dire Yoshi, ça a du sens, mais non, c'est Kalas qui est un fox. Aïe, il s'est fait, mais t'es tellement vite. Allez, et ça rend tout de suite l'appareil en disant tu dégages de Luigi, merci, au revoir. Non, franchement, Yoshi, c'est vrai que c'est une map assez risquée hein, pour le fox. Hein. C'est petit, en plus, il y a le Mars qui peut couvrir beaucoup d'options. Il faut faire gaffe. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis très impressionné par cette team Luigi-Marth. Ouais. Moi, j'ai quasiment jamais vu ça en double. Mais en tout cas, ils s'en sortent très très bien. SD, je pense que c'était une très bonne map pour eux. Luigi peut vraiment se servir de l'espace.
Et sur Yoshi's Mare, faut vraiment faire des dégâts, faut vraiment faire ouais, gaffe. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment une map où on n'est jamais à l'abri de la grosse épée. Oh, calage. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est bel Edgar, mais bon, ça revient. Okay, attention, okay, bon. Luigi, ça va, on sécurise. Ok, ok, il rate le team combo parce que le Marth arrive à venir interrompre le team combo. C'est très important en double. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il voulait bien avoir une map un peu plus petite. Oui. Le Marth et Yoshi pour pouvoir faire des choses comme ça et sauver Luigi qui survit à 160. Ah bah ouais, mais ça c'est incroyable là quand même. C'est ouf. Et c'est tellement important en vrai ces phases de pouvoir juste rester en vie un peu plus longtemps, de tanker un peu plus la stock. Bah, c'est comme ce qu'on disait en coup hier, c'est en fait faut vraiment imaginer qu'on n'est pas sur 4 et 4 stocks. C'est en fait comme on peut se donner des stocks, l'important c'est vraiment de garder le plus de stocks possible et de garder cette avance. Mais là il va falloir quand même aller chercher un peu plus le Mars. Parce que le Luigi, même si le Luigi est hyper dangereux, là le Mars il fait un peu ce qu'il veut là sur cette map là. Ah et bah voilà, dès que qui tue tout le monde. Voilà. Fekfek a dû m'entendre, je lui ai dit va chercher le Mars, elle lui a mis BAM. C'est cool. Oh, et puis le petit Edgar du Marth là. Oh, mais Fekfek, oh, il va mourir. Fekfek. Nice, ça, c'est trop cool. Aïe, 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 Fekfek qui commence à nous montrer son jeu, franchement. Fekfek, moi, depuis que je l'ai découvert, j'adore sa pitch. Mais surtout en double. Bah oui, oui, en double. Moi, je l'ai jamais vu en double, en fait. Moi, je l'ai toujours vu en singles. Et vraiment, là, il nous régale. Hein, c'est, il prenne encore une stock. Les insultes vont partir à la fin du match. Eric, t'as tout compris, ouais. Eric, il a compris. Là. Bah, ils ont une solide stock d'avance, c'est bon. C'était close jusque-là. Ouais, mais regarde, tout à l'heure, ils avaient une solde, il y avait une stock d'avance. Et puis regarde, le Luigi, il a tout... il a réorganisé le match en 2-3 coups, donc attention. Mais je sais pas si c'est une bonne idée d'aller sur Yoshi's quand même. Enfin bon, le Luigi qui fait de son mieux, on va voir s'il peut faire ce comeback. Ce Mars, mais... ça c'est hyper dangereux quand même, tout ce qu'il peut faire. Ah là, attention, il contrôle tellement d'espace, ouais, c'est tellement risqué. Ouais, mais là c'est tellement. Aïe, aïe. Et là tu vois, c'est là où il faut vraiment faire gaffe. Ce que tu disais, c'est des doubles, c'est pas juste 4 stocks ou 4 stocks. C'est les phases de 2v1 et les phases d'edgeguard comme on a pu voir avant, les reverse edgeguard à plusieurs. Fekfek qui a. Ouais, et là Kalas, il peut ne pas. Aïe, 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 Kalas, faut pas qu'il perde. Tout le monde est en vie. Tout le monde est en vie, tout le monde revient, c'est terrible. Chaque coup compte parce que là on arrive à des pourcentages où. Non! C'est honnêtement, je suis super impressionné par ce Marth. Du coup, oui, c'est Yoshi Jam. Franchement, c'est incroyable, mais effectivement, là, c'est. Oh non, Fekfek! Quel voilà dommage! Tu as vu comment ils ont couvert toutes les options. Luigi sur la ledge. Marth, t'as pas vu que ça grosse épée. C'est ça, en fait, le problème. Bah, c'est, de toute façon, Fekfek, elle avait pas trop d'options, puisque en fait, t'as le Marth qui couvre énormément toute la partie aérienne, et puis le Luigi qui était en train d'être garde. Donc, impossible pour Fekfek de revenir sans se faire punir à son retour. Mais let's go, game 3. C'est du BO3, donc ouais, c'est bien la dernière game. Donc là, c'est la dernière game, et elle va être assez décisive, donc c'est hyper serré. Hein. Vraiment, on sent qu'entre le site 2 et le site 4, c'est pas. Une. Bah c'est super close pour un match seed de seed 4. Hein. Bien sûr, bah ouais. J'ai déjà été seed 4 de ma poule et je t'assure que j'ai pas fait des matchs aussi serrés qu'on a seed 2 de ma poule. Ouais, c'est pareil, hein, être seed 4 n'est pas une partie des heures, mais bon. C'est... Oh là là, on va voir ce qu'il peut faire. Et non, du coup, au cast, du coup, voilà, je suis accompagné de Ridley. C'est petit Zat et Eric dans le chat. Salut les amis, c'est plaisir d'être là. Ouais. On pourra vous parler un peu plus après de nous, on vient d'arriver au cast. Après, forcément, là, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est le fait de construire un moment des coups, des combos de double. Et on sent que ça joue quand même pas mal séparé, que chacun joue un peu de son côté. Genre, toi, tu t'occupes du Marth, moi, je m'occupe de la Luigi. Du Luigi. Et il n'y a pas encore trop de bonbons combos construits, et c'est assez compliqué de... Ça a l'air compliqué, mais pourtant, il y a quand même bientôt 3 stocks d'avance pour les bleus, là. Ouais, bah... Ils avaient juste besoin d'un tout petit peu plus d'espace. Ouais. Après, ouais, je pense qu'effectivement, la map, elle est beaucoup plus avantageuse pour eux. Oh, malheureusement, la Kalas perd sa stock. Oh, ce grave de Fekfek. Oh là, et ça punit. Hein. Allez, Fekfek, là, plus de washing machine, voyons. Où sont les washing machines? C'est stick vers le bas. Non, et, de toute façon, le Donby, c'est quand même quelque chose d'hyper compliqué. Alors, moi, je suis une grosse spameuse de Donby, donc voilà. Oh non, le Marth qui tue son Luigi. Ah bah ça, de toute façon, c'est typiquement ce que j'allais dire, tu vois. Les Donby de Peach, ils sont aussi dangereux pour le teammate que pour les adversaires, et c'est aussi vrai pour Mars en fait. Luigi a pris genre 50%. Ouais, j'avoue. c'est dur, c'est dur pour Luigi là. Ah, c'est bien, Fekfek elle revient, malgré l'Edgar de... Oh là 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 là. Oh là là là. Fekfek avec 4 stocks, et encore une stock de prise pour la bleue. C'est super bien ce qu'ils font là, ça y est, je pense qu'ils sont on fire, ils disent là... C'est bon, ils sont réveillés. Ouais. Ah là là. Bon, là effectivement, au bout d'un moment, elle perd sa stock.
Kalas qui arrive à conserver la sienne, on est pas mal. Mais si on arrivait à achever le Luigi, on est pas mal. Même s'il va devoir voler une stock au Mars, mais ce sera toujours 7 prix. Ils sont vachement bien là. Tu vois à quel point ils réussissent à vraiment contrôler l'espace. Kalas qui revient encore sur le stage, ouais, même si les deux personnages essaient de ledge guard. Mais là, fake, faut juste temporiser, faut attendre. C'est ça, faut attendre Kalas qui puisse revenir. Un Fox invincible, c'est plutôt fort, en fait. Bah oui, de fait. Ouh, belle edgeguard. Encore une stock. Bah là, ils font un travail incroyable. Hein. Là, franchement, s'ils arrivent à là, ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent à se concentrer sur l'un des deux, en fait. Pas qu'ils se séparent. Luigi est très haut pour ça. Attention, bah justement, là, s'ils pouvaient essayer d'empêcher Luigi. Ah bah, il est revenu. J'adore ce que Fake vient de faire. Tu vois, genre, il y avait Kalas qui était à droite, ouais. Marth qui la F-smash. Et Fake qui vient derrière juste pour mettre des pourcentages, juste pour le relancer. Essayer, voilà, de pas l'envoyer en disant bon, tant pis, le Luigi va revenir. Kalas, mais là, l'important c'est d'aller protéger son copain et de pouvoir rester à deux en fait. C'est le plus important. C'est en fait. Ça. Et là, maintenant c'est fini, je pense. Ah voilà. Là, je pense qu'effectivement c'est fini. Attends, parlons pas trop vite. On parle peut-être un peu trop vite. Ah là, les prédictions sont un peu trop bien. Mais là, justement, en fait, c'est là où en fait. C'est là que tu vois si les personnes ont de l'expérience en double. Ouais. Parce que c'est là où si un bon duo, il va wombo ou combo, c'est de dire bon bah vas-y je te laisse, moi je t'attends, et voilà, exactement. Il faut juste couvrir les options une par une comme ça. Exactement. Fox grab la ledge. Ouais, c'est très bien ça. Et tu mets Fox devant, Mark Killer. Oh! Et là, dommage. Dommage, effectivement, ça n'a pas grave. Mais c'est pas grave, on ne se précipite pas. De toute façon, le Marth, maintenant, il est tout seul. Il n'y a pas de raison de throw à ce stade-là, surtout qu'il y a une stock d'avance du côté de Peach. Okay. Donc, il n'y a pas de raison. Là, tu vois? Ils prennent leur temps. C'est ça. J'allais dire, là, il faut juste trouver l'option qui va faire hop. Une punition de la part de Peach. GG's de la France, c'est un énorme upset quand même. Je pense que franchement, dans la poule, ils sont assez dégoûtés. Ah, du coup, je m'appelle Ridley, pardon. Bonjour. Salut, c'est Ridley. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié du coup ce premier début de cast avec un match quand même incroyable de la part de notre duo français, hein, de nos étoiles montantes en vrai. Ils étaient super contents. Je leur ai parlé juste avant, ils étaient un peu en mode on sait pas qui c'est ces joueurs. Parce que c'est pas facile, tu vois, genre, t'es une équipe de double. T'arrives en Angleterre, tu connais pas les joueurs. Ouais. Ils les ont un peu lavés quand même la dernière game, c'était bien. Bah, en fait, le plus important, c'est depuis, comme ça fait déjà deux jours, c'est de grinder le plus possible avec le maximum de joueurs, essayer de se renseigner le plus possible. Et c'est vrai que malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas eu trop l'occasion de le faire. Donc c'est assez perturbant, mais en vrai, on voit qu'ils sont assez à l'aise, qu'ils ne se laissent pas démonter et que, que mentalement, ils ne sont pas totalement à la rue, quoi. Ça fait plaisir. Et tu sais qui d'autre ne va pas du tout être à la rue mentalement ? Maillet et Luan. Ah bah, bien sûr qu'eux ne vont pas être à la rue mentalement, Maillet et Luan. On vient de voir un match de français montant. Là, c'est bon, on va voir un peu les étoiles qui sont déjà tout en haut. C'est ça, c'est là, déjà des gens là on va haut, voir de l'expérience. Là, on va voir des gens qui connaissent le jeu et qui savent très bien comment ça fonctionne en termes de duo. Luan, je le connais pas trop. Luan. Est-ce que toi, tu le connais mieux ? Luan, je crois que c'est le meilleur ou le deuxième meilleur joueur en Irlande actuellement. Ah bah. C'est un Fox qui est super, super fort. L'autre, ouais, l'Irlandais exactement, Eric Le Rouge. Il y a Mint, que tu connais peut-être, qui est un Fox irlandais qui a une énorme moustache. qui a genre battu Hungry Box quand il est venu en Irlande une fois, je crois. Ouais. Mais Luan, ou en anglais c'est Luan. C'est pas Luan. Genre Luan, je sais pas, c'est bon, bref, il parlait de ça hier avec la cour irlandaise. Ouais, un Fox. Ah, incroyable. Là, regardez, là, on a notre petit Maillet qui se prépare, qui nous fait des petits clins d'œil, hein, bien sûr, avec son swag naturel. On sait même pas qui sont leurs adversaires, mais. Moi j'ai pas de doute que Maillet et Luan sont aussi l'un de leur poule en tout cas. Ah zut Bon, ouais. De toute façon, on va le découvrir assez vite. Alors, attends, j'allais dire. Donc, c'est des bons gros top players qui vont, je pense, vous montrer comment jouer Fox Falco et ça va être très violent. Et ils vont très bien s'en sortir. Parce oui, que... oui. Ah, tu penses qu'il va sortir son Falco, Maillet ? Ouais, Maillet, pas de Mars. Maillet a changé à Falco depuis quelques temps. Il a drop définitivement son Mars. Je sais pas, pour les doubles, je l'ai pas encore revu jouer au double. Je sais pas si. Alors, je crois qu'en double, il continue un peu avec les Mars. Parce que mine de rien, ça quand même. En double, mine de rien, les Mars. Ça apporte tellement d'options, ça couvre tellement les maps, on l'a vu, par exemple, si tu vas prendre sur Yoshi's, le Mars, t'as juste envie de pleurer, quoi. Si t'es en face, si en plus t'as pas le bon match-up, genre franchement, j'avais super peur par la place de la Peach de Fake, parce que moi-même, étant joueuse de Peach, je vois un Mars, mon cerveau, il s'éteint, tu vois. on connaît tous les tipeurs, on a tous au fond de nos cœurs un gros Mars qui nous F-smash. C'est ça, et tu fais... Ah oui. Non.
Donc effectivement, si derrière, alors si derrière t'as pas de quoi te protéger et que bon voilà et que tu tombes sur une map de merde, donc, voilà, là t'as juste envie de mourir quoi. C'est en effet comme ça que ça se passe la plupart du temps, mais. En tout cas, ça fait du bien. Vous pouvez voir derrière nous la venue. Il est encore tôt. Il doit être bientôt midi, je pense. Ouais, il est tout juste midi passé, effectivement, ici, en tout cas, oui. À la venue du fête. Et ouais, comme on vous disait, voilà, ça fait déjà 2 jours que le tournoi a commencé. Alors, on a d'abord fait les phases un peu plus de sympathiques, des crews, des petits side events. Voilà. Toi, t'as joué au foot hier. J'ai joué au foot et ensuite j'ai fait les échecs. Ah oui, t'as fait les échecs aussi. C'était épuisant, faut plus jamais refaire ça. Plus jamais faire du foot dès le matin et ensuite faire des échecs juste après. En vrai, c'était marrant, je suis allé plutôt loin. Ouais, j'imagine. Et non, effectivement, Eric, on ne fait que les singles. Nous avons été sages. Moi, j'ai dit non, c'est mort, je ne fais pas les doubles. J'ai ni le temps de m'entraîner en amont. Et puis, je ne voudrais pas mettre mon partenaire en difficulté, donc j'ai fait voilà. Et effectivement, ils vont jouer contre Snevs et Tube. Bon, même si les pseudos sont inversés, j'aime beaucoup leur flow. J'aime beaucoup la petite boucle d'oreille de Snevs ou Tube, du coup. Ah là là. Un solide t-shirt où il y a écrit IGN. Shout out, c'est l'IGN, c'est dans la vie, c'est plutôt. C'est ça, c'est assez important. Voilà, juste. Petite manette bleue. C'est la team box contre GCC en plus. Ah ouais. Ah ouais, ça de toute façon les manettes box on en voit incroyable. Et ça y est, ça part. C'est parti. Ok, c'est parti. On a bien Fox Falco du coup. Maillet qui joue Falco rouge à gauche avec une grosse épée. Et on a un Ganondorf, hein. C'est effectivement un gros Ganondorf, hein. Mais attention. Je pense qu'il va prendre très très cher le gros Ganondorf. Je pense que s'il y a une équipe qui va nous montrer comment bien punir un Ganondorf, ça va être Maillet et Johan. Les Français en rouge du coup. Je suis pour. Ouais, effectivement. J'allais dire effectivement Fall Falco. Team assez classique, hein, les Fox Falco. Hein. Ouais. Bah, Fox et Falco sont tous les deux vraiment forts en double, pas vraiment pour la même raison. Falco, parce que, genre, d'un point de vue défensif, le laser ça peut être tellement utile. Toi, genre, ton Fox il recover de l'autre côté du stage, tu lui mets un laser et d'un coup il peut revenir de bien plus loin, tu vois. Ça peut permettre d'interagir avec l'adversaire de bien plus loin et super fort. Et bien sûr, Fox, voilà, c'est Renard McNuage, il est très très fort, il fait tout, il tape fort, il est beau, il court vite. Tout à fait, ouais. Donc les deux marchent très très bien ensemble en double, on a vu beaucoup d'équipes Fox Falco avoir beaucoup de succès. Et on voit qu'ils maîtrisent bien, hein, parce que de toute façon là les deux Falco allaient devoir mourir, hein, c'était très très loin. Mais on voit qu'ils maîtrisent, hein, qu'ils sont bien, parce qu'ils ont quelques stocks d'avance. Et là tu vois grâce au laser de Maillet qui était à droite. Ce Ganondorf. Voilà, ils prennent enfin chacun une stock, mais le Ganondorf qui s'en sort très très bien. Mine de rien, un Ganondorf, si tu le sous-estimes, ça met quand même des grosses patates, hein, des grosses patates de forain. Donc attention, hein, si tu le. En double, en double, c'est assez fort parce que mine de rien, si tu dois trop te concentrer sur le Falco, par exemple. Oh là là, belle phase de Maillet quand même. Maillet qui a failli mettre un double d'honneur et tuer les deux adversaires. Ouais. Ils s'en sortent bien, mais bon, il y a quand même un solide déficit pour les joueurs. L'équipe verte, je sais pas trop d'où ils viennent, mais l'équipe verte, on va dire. Ouais, Maillet et Luan qui roulent très très fort sur le Red Vassar pour l'instant, mais Ganondorf qui met de solides pressions quand même. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait le Ganon, si tu t'endors un peu dessus, il te met des petites patates de forain. Ah là là, le Falco, notre Falco, Maillet, ah là là, Maillet qui achève très bien, qui edgeguard parfaitement, qui protège toutes les options et qui dit dégage. Voilà. Et vous avez remarqué, le Fox n'est pas venu intervenir. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé d'intervenir parce qu'en fait, il savait très bien que Maillet allait bien couvrir les options. Il n'y avait pas besoin de venir perturber son flow. Ouais. C'est très important aussi en double. Il y a plein de choses qu'on a déjà vues qui est important dans les doubles. De genre savoir quand sauver son adversaire. Ah, dommage, tu vois, il a mis des lasers à droite pour essayer de sauver son Fox. Ouais. Il faut savoir quand genre faire des team combos, quand genre intervenir, quand. Le pauvre Ganondorf. Bah oui, là par contre. Ah, tristesse pour le Ganondorf. Jouer un Ganondorf contre Maillet et Luan. Ouais, j'avoue, là c'était risqué. Bah, je pense que de toute façon ils sont site 1 de leur pool, j'imagine. Bah, je pense, ouais. Ils font un peu les oeufs, mais. Je pense que c'est plié. Puis de merde, non, ça passe pas. Ils arrivent quand même pas à le finir, mais bon. Ouais, quand même, les gars, arrêtez de jouer avec la nourriture, voyons, c'est pas très bien. C'est pas très gentil quand même. Tout le monde rigole, ils sont tous là contents. Ah là là là. Ouais, bon. Voilà quoi. Oh, il y a X1 qui vient faire du mid-set coaching derrière. Non, je rigole. Non, c'est... Il est encore tôt, tout le monde est content d'être là. Oui, bah oui. J'ai pas doute que Maillet et Luan soient décidants. Je sais pas quel site sont Snugs et Tube dans leur, leur pool. Snugs, qui ont l'air d'être 4 ou 5. Ouais, 5. Donc c'est un match un peu déséquilibré, on va dire. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, Maillet et Luan s'en sortent très très bien. Ils nous ont bien montré comment, en effet, tu peux venir... Bien ton adversaire.
On va voir s'ils peuvent faire un peu mieux dans cette deuxième game sur, sur Stadium. Bah, sur Stadium, c'est ce qu'on disait, parce que c'est vrai que bon, Dreamland est une map vraiment bien pour les Fox et les Falco, mais Pokémon Stadium en est une autre aussi très intéressante, qui laisse pas mal de place et autres, donc peut-être que ça... En fait, je pense que sur, pour la team, effectivement, Ganondorf-Falco, ça va être compliqué pour eux, parce qu'il n'y a que Falco qui a des options du coup, avec des lasers. Mais là, ça va être, on va avoir des lasers de partout, je pense. C'est ouf, je pensais que Ganondorf avait... Aïe. C'est ouf ça pour le Ganondorf, il vient de perdre tellement de temps sur sa recovery à droite. Il est enfin revenu pendant que son adversaire se faisait, que son teammate se faisait 2v1. Et là il revient et il se fait immédiatement joueur d'honneur, pas maillé, ça c'est... Il est gros hein. Et surtout en double, je pense que c'est là où tu vois vraiment que les top players genre, se rendent compte de ce qui se passe en fait sur l'écran et savent où ils vont intervenir. Bah, et qui se font confiance mutuellement. Moi, j'ai beaucoup observé Maillet quand il faisait des doubles, notamment avec Samplay. Vraiment, c'est incroyable. Genre, on les voit entre les matchs, ils sont vraiment en disant dans attends, alors là, il va falloir. En plus, Maillet, c'est quelqu'un qui communique énormément, qui est très pédagogue, qui est très observateur. Donc, il sait, mais il maîtrise très bien ce genre de match-up. Et en plus, il connaît très bien, bien sûr, l'équipe Fox Falco. C'est pas comme si il ne connaît pas. Ouais, c'est tellement important la communication et ne pas se mettre dans les pattes en fait, surtout quand tu joues Fox et Falco qui peuvent aller très très vite et couvrir beaucoup d'espace tous les deux. C'est important de savoir qui va aller où et qui va faire quoi. Effectivement, et là effectivement notre petit Fox qui vient de perdre sa stock sur un gros coup de Ganondorf qui a bien edgeguard hein, mine de rien. Mais de toute façon il conserve une avance assez significative, hein, notre duo franco-irlandais. Je suis déjà en train de me dire ok, j'ai hâte de voir... J'ai hâte que l'équipe verte perde leur stock, comme ça on peut revoir Maillet et Luan qui 2v1 le Ganondorf. Je suis désolé, c'est méchant pour les... Ah là là, l'enfer. Les bah de toute façon là c'est vrai que ça va être assez... Oh, c'est team combo, let's go. Ça y est, ça repart. Et c'est bon, on y est, vas-y, c'est bon. Moi je suis là, je suis arrivé... Je suis là pour juste regarder ce team combo. Mais le Ganondorf qui est en train de leur mettre une phase. Il est en train de dire, vous allez me tuer. Et bah ce sera pas comme ça. Je vais vous en mettre quelques coups avant de partir. C'est ça qu'on voit. Le petit wombo combo. Et effectivement ça achève. Mais quand même, la petite phase du Ganondorf nous a fait plaisir. Cette phase était incroyable. La dernière minute du jeu était complètement ouf. Voilà, c'est pour ça que c'est tellement marrant les doubles. Ah bah oui, de toute façon, c'est des choses... Que t'as des petits upsets et des petits moments de folie où tu rentres dans la zone et là je suis au pied du mur, attends, il faut que je sorte une phase et bang bang quoi. Et puis en plus, c'est un platform fighters donc il se peut parfois tu commites ou que tu tues ton teammate si tu fais une mauvaise action et là ça change tout. Bah, je s'amuse donc ouais, 90% de mon gameplay en double c'est d'envoyer des missiles qui touchent mon. Il y a trois adversaires, donc j'ai deux adversaires et un teammate, donc c'est 66%. Après, ça dépend, est-ce que ton teammate peut devenir ton adversaire? Moi par exemple, mes seules expériences de double, c'était qu'avec des personnes, c'est devenu mon adversaire. Non. Et en plus, moi je suis une pitch, mais qui balance beaucoup de navets. Je suis la pire teammate du monde. C'est pour ça que j'ai refusé de. C'est pour ça que vous avez compris. Je n'ai pas fait de double parce que je pense que je serais devenu l'adversaire de mon teammate. Donc désolé. Ouais. On fait ça pour les autres, oui. C'est ça, en fait on pense aux autres et puis je me dis non, on va pas faire ça quoi. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, vous êtes au FET 2. Il est samedi matin, il fait je sais pas quelle est la température extérieure, mais. Bah, en tout cas, quand je commençais à venir, il commençait à pleuvoir. Donc ils annonçaient de la pluie, c'est Sturplandzent, hein, c'est l'Angleterre. Est-ce qu'il fallait un tournoi avec de la pluie en Angleterre? C'est pour mettre l'ambiance, tu vois, c'est pour vraiment genre. C'est pour te rappeler que t'es dans quel pays, tu vois. Voilà, ce serait pas vraiment l'Angleterre. C'est pour ça, il faisait un peu chaud mercredi, tu vois, avant qu'on arrive. Mais là, c'est bon, ils ont allumé la clim anglaise. Ils ont mis un peu de pluie comme ça, et maintenant on est bien. Ouais, bah oui, tout à fait. Alors, heureusement, quand même, vous n'avez pas eu la pluie pour le match de foot d'hier. Hein. Ça aurait été un peu compliqué. Déjà qu'apparemment, il y a eu des blessés. Oui. Genre, vous êtes tous cassés la gueule. Dont l'arbitre, apparemment. Ah bon ? Apparemment, l'arbitre au foot. Ouais, il a une jambe dans le plâtre. D'ailleurs, c'est le petit haut qui est là-bas, on le voit pas, mais. Mais incroyable. Juste mais, ici, mais... Jay Breeze, ici, a actuellement une jambe cassée. Il était arbitre au foot. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé, il y avait trois personnes qui étaient en mode je me suis pété la jambe. Une petite balayette. C'était même. Enfin, genre. Un tacle mal placé, l'arbitre était au milieu du chemin. Et de The End, quoi. Ouais, faut croire, hein. Non, c'est ouf. Apparemment, il va bien, mais bon, voilà quoi. Personne n'a été blessé, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Peut-être un petit peu de gens qui boitaient hier. Mais ça n'empêche pas de venir jouer à mêlée, bien heureusement. Ça ne nous empêche pas d'être performants. Grave. Oui, bah oui, voilà.
C'est, on a petit à petit, au fil de la journée, vu genre les TIO avancer de plus en plus lentement. Oui, c'est ça. On a fait. Ah là là là. Et puis, en plus, de toute façon, en plus hier soir, avec les International Crew, incroyable quand même. Cette grande finale, parlons-en quand même un tout petit peu. Profitons un petit peu de la terre, le temps qu'on ait un nouveau match qui s'installe. Non, mais quand même, incroyable, cette International Crew, quoi. Mais t'as vu ce qui s'est passé à la fin? Mais bien sûr, T'as vu le comeback incroyable de la Suède? Ah bah. Qui a remonté tout le bracket. Ouais, perdu contre la Norvège. La loser run de la Suède. Incroyable. Je pense que l'élément le plus marrant, c'était que Pipsqueak était en train de commenter la défaite de la Suède contre la Norvège en Winners. Il était en mode, il commentait, il se marrait, je crois. Ah bah ouais, tout à fait. Aïe. Mais oui, et la loser run de l'Angleterre qui a remonté. Et effectivement, cette grande finale. Mais oui, ce combo de prof sur la droite à Yoshi. Toute la salle qui explose, genre. Hier sur le restream, nous on était en mode bon ben ouais, forcément les States quoi, genre il y avait pas dans quel monde il y aurait pas eu une victoire des States, mais ça avait quand même parié sur une victoire de l'Angleterre et franchement ils étaient à ça quoi. Mais ils ont reset le bracket. Mais oui, ils ont reset le bracket et ce reset. On était en feu quoi, nous on était en feu. Toute la salle s'est levée. Moi j'ai découvert le public anglais à ce moment-là quoi. J'ai découvert le public anglais. Ça fait mais qui chante, vraiment c'est. J'ai hâte qu'il y ait un after movie qui sort. Oui. Parce que. À un moment ils chantaient genre vous payez les médocs. Genre vous avez pas de sécurité sociale. You pay for medicine. Parce que Nico Abaku. On attend que le prochain match arrive. On a un salut, micro, Baku. Donc autant que j'en profite pour pouvoir discuter. Hey, et en effet, le truc qui était marrant, c'est vraiment, ils chantaient avec beaucoup de sons différents. Et donc c'était, cette musique fait na 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 na. C'était en fait ça, c'est You pay for medicine, you pay for medicine. C'était absolument débile et j'ai adoré. Mais ouais, mais franchement, c'était, c'est incroyable. Moi je pense que c'est un très bon signe. Que Melee va bien, que genre même après 3 ans sans major, même après tout le Covid, on arrive à ce premier major et tout le monde est déjà prêt. Le public anglais a déjà genre, ils ont déjà fait leur choré, ils ont déjà fait toutes les chansons prêtes et tout le monde est à fond. Et c'était, bah, de toute façon, plus globalement, après c'est des gens quand même expérimentés chez Fête, même si bon ils ont besoin de, que voilà il y a des anciens, des nouveaux TIO, mais voilà, on sait très bien qu'en Angleterre les majors. Les IR et autres. Malheureusement, moi, je n'avais pas pu les faire. Moi, c'est mon premier major en Angleterre. Mais franchement, j'ai toujours vu ça de loin et tous ceux qui étaient nous parlaient voilà, de l'ambiance des IR et des tournois anglais. On le sait, ils sont très bons et tout. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas bons en France. Bien sûr. Pour nos majors, on a quand même la chef LAN qui est bien au niveau, mais c'est vrai que le fait. Nous met un peu la pression. Je vais pas mettre la pression là pour la chef LAN, mais pense que on va en attendre beaucoup de la chef LAN. Moi, je dirais juste qu'il y a des annonces qui vont se faire avant le top 8, que dimanche juste avant le top 8. Peut-être qu'on verra des trailers pour des choses qui vont arriver. Donc. Attention, restez dans le coin. Apparemment. Apparemment. Mais vous risquez d'avoir du lourd qui arrive. Mais c'est vraiment du lourd. En tout cas, si vous avez l'opportunité de venir à un major anglais dans les années qui viennent, je sais qu'il y aura probablement encore des fêtes l'année prochaine ou l'année d'après. Bien sûr. Puis en fait, si vous êtes, peu importe votre niveau, hein, franchement, c'est vraiment, si vous êtes des e-sports, si vous aimez l'e-sport, que vous soyez amateur ou professionnel, franchement, c'est tellement de belles expériences d'aller faire les tournois à l'international. Ouais. Puisque ça nous permet de rencontrer plus de joueurs, de gagner en expérience et puis de faire briller notre scène à l'international, puisque mine de rien, en France, notamment sur la SGC, on ne peut pas se plaindre qu'on a de beaux talents français. On est bien. Et en parlant de bons talents français... On a remaillé, Eliouane. Ouais. Mais oui, je suis carrément d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment genre... Je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde à ce type de tournoi. Si vous voulez juste venir doser à fond, vous pouvez jouer non-stop pendant 4 jours. Si vous voulez venir juste rencontrer des gens, il y a genre plein de choses à faire. On a du foot, on a plein de side events super sympas à faire. Et voilà quoi, si vous voulez commenter, si vous voulez tout ça, genre big shout out à tout le monde qui est venu. Tout à fait, effectivement. Et là, du coup, Maillé et Luan jouent contre David et Rich. Je crois que c'est peut-être Rich est plutôt fort, il me semble. Donc ça doit être peut-être la deuxième seed de pool, peut-être la troisième, on va vérifier. En tout cas, c'est parti. On a à nouveau notre solide team Falco Fox qu'on vient de voir du coup dans le match d'avant. Contre cette fois, c'est un Falco et un Marth. Et sur FD en plus, donc c'est pas du tout le même type de match-up qu'on a vu. Ouais, effectivement.
Donc bah, c'est ce que tu disais, genre Marth peut vraiment faire peur en double, surtout avec un Fox, c'est une des meilleures équipes je pense. On va voir ce que peuvent faire cette équipe contre nos talents français et irlandais. Ouais. Bah après là globalement on reste quand même sur des match-up connus, hein, je veux dire il y a deux Fox, il y a Marth, Falco, enfin je veux dire voilà, il y a rien d'incroyable. Enfin, dans le sens où tout à l'heure on avait un Luigi et un Ganondorf qui sont des match-up un peu moins connus. Là on est dans des match-up voilà, on connaît et qui devraient pas faire totalement peur du coup à Maillé et Ben. Ouais, je pense qu'ils sont bien dans les match-up qu'ils connaissent en tout cas. On a vu une solide phase d'Edgeard à droite. Ça met beaucoup de pression hein, du côté de Maillé sur le Marth. Mais malheureusement voilà, ça va mourir face au Marth. Les stocks sont even mais ce n'est que le début. On va voir ce que peut faire les deux. Et là tu vois. Franchement, je trouve que Maillé est très très bien dans genre comment il utilise ses lasers en double spécifiquement. Genre là, on a vu lui qui fait un laser pour interrompre le grab de Marth à l'autre bout du siège parce que Loan est en train de faire grab. Oh, beau petit combo du coup du côté du Fox Falco sur le Marth pour l'achever offstage. Ouais, et bah, il s'en sort super bien, bien sûr. Oui. Ah, quand même là. Okay. Aïe. Oh là, bah justement à l'inverse on a une belle phase de Marth et du Fox. Là tu vois l'équipe bleue a pas du tout réussi à taper Maillé même une seule fois pendant la phase de 2v1 genre entre les stocks. Et c'est si important ces phases là de réussir à mettre des pourcents et au moins genre essayer d'edgeguard l'ennemi pendant que son allié n'est pas là. Maillé qui roule sur tout le terrain hein, tout à fait. Hein. Oui. Mais voyez c'est grave. Ils se précipitent pas hein, et là ils essaient vraiment de courir toutes les options. Dans le double, Maillé il me disait Let's go! Mais quand même, cette punition! Clipez ça! Le double smash du coup de la part de Loan, c'était vraiment beau à voir. Ouais. C'est les meilleurs types de team combo ça. Je pense que c'était un peu par accident, mais bon, genre parfois c'est juste que ça marche. Et Maillé qui voit qu'ils sont plein de stocks d'avance et qui met un petit downer, et oui, bah c'était clairement, ça valait le coup, tu vois. Il avait un downer suicide pour prendre la dernière stock de son adversaire. Et du coup là ils sont dans une super phase de 2v1, ils vont mettre des gros coups de pression au Marth de chaque côté. Et là c'est parti pour les teams combo, le ping-pong qui achève. Clean, ils ont pris 0 hit. Voilà. Et c'est ce qu'on vous disait, vraiment les bonnes équipes, normalement ça doit forcément finir comme ça. Un petit ping-pong et vas-y, je te l'achève, bisous, au revoir. Et on rappelle que Loan vient d'Irlande, oui. Maillé vient de France. C'est probablement la première fois qu'ils se voient IRL depuis longtemps. Je crois qu'ils ont un peu joué ensemble en ligne, ils ont un peu fait. Ouais, bah c'est vrai qu'avec Sleepy, c'est beaucoup plus simple de pouvoir s'entraîner même à distance et de pouvoir créer des teams, parfois internationales. Ouais. Mais effectivement, ils partent quand même avec un handicap, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est pas la même chose d'aller jouer avec un Français que tu peux rencontrer quotidiennement, connaître par cœur, connaître un peu mentalement comment il fonctionne. En plus comme ça tu peux parler de tes stratégies en français, les adversaires ne peuvent pas comprendre. Ouais, bah après Maillé il se débrouille très très bien en anglais, hein, c'est pas tellement ça l'obstacle pour lui. Hein. Bien sûr. Mais comme ça au moins les adversaires ne peuvent pas te eavesdrop pour voir ce que tu dis. Tout à fait. C'est parti pour la game 2 en tout cas sur Battlefield. C'est toujours du BO3 donc si yes. Maillé le one rogue gagne. Bah, okay, ce sera un bon gros 2-0 tranquille. Hein. Ah le petit. Est-ce qu'ils vont faire le truc dommage. Maillé a failli réussir. Ouais. Presque réussi à sauver Loan avec son hub. C'est vraiment 20xx. Ok. Est-ce que les deux vont mourir? Les deux vont mourir. C'est incroyable ce qui se passe. Enfin, genre, ils couvrent tellement d'options. Juste, c'est vraiment rapide ce qui se passe. Oulala, mais ça punit. Attention, on va aller chercher le Fox. Bon, malheureusement, ça achève pas. Ok, Marth qui est insolite, gros contre Falco, mais c'est sympa assez. Ouh, quand même, je suis désolé, hein, je me concentre aussi beaucoup sur Maillé et sur Falco. Il revient! Oh là, mais il nous fait quand même quelque chose de ouf, genre ça va chercher les deux persos, il n'y a pas d'erreur. Maillé qui a toujours ses 4 stocks en fait. Luan qui vient couvrir au cas où, qui vient être en backup si jamais Maillé est dans la difficulté. Bon là, voilà, Maillé est mort, mais bon. Franchement, il nous fait des phases de ouf. Hein. Bah, clairement, en double, si on garde un match, est-ce qu'il va réussir à sauver? Non, okay. En double, c'est ok de juste genre, garder son attention sur un joueur et voir ce qui se passe. Et je t'avoue que je pense qu'on a tous les deux regardé Maillé pour le début de ce match. Et ouais, en fait, il réussit juste toutes ses phases. Et Luan qui nous fait un bel edgeguard. Et bah, super ça, tu vois, genre les lasers pour empêcher le Marth,
qui était en train d'edgeguard son teammate. Il fait des petits lasers pour qu'il revienne. Et ensuite, il réussit à cacher un down tilt, tu vois, genre. Pour juste pour enlever le marque. C'est super important de juste pouvoir. C'est vraiment pas du tout le même type d'interaction que t'essayes de faire en 1v1. Là t'essaies juste de, ok, Marf, on va juste l'enlever, on va mettre un petit down tilt, même si ça va pas le tuer, comme ça au moins il se casse, Yuan peut revenir. Et c'est... Attention, d'accord. Qu'est-ce... Ok, non, c'est bon, je sais pas ce qui se passait, mais c'est à nouveau... Voilà, on va revoir encore un Wombo combo si tout se passe bien. Attention pour le Marf. Oh. Ah bah oui, bah forcément. De toute façon, voilà, j'allais dire un petit grab, puis après tu laisses ton teammate te faire plaisir. Même si t'es un peu une victime collatérale, mais c'est pas très grave. C'était pas facile, c'était pas facile. Il était vraiment sur le coin de la ledge. Et pourtant, Yuan a quand même réussi à...